Depuis le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 et la prise de contrôle du mouvement islamiste du Hamas, Gaza a été le théâtre de nombreux affrontements militaires entre Israël d'une part et le Hamas et le djihad islamique palestinien d'autre part. Suite au blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, Tsahal lance, le 27 décembre 2008, l'offensive militaire plomb durci. Le Hamas réplique avec l'opération Al-Furqan ou bataille du discernement. L'offensive israélienne avait pour objectif de mettre fin à la mainmise du Hamas sur la bande de Gaza et d'empêcher le lancement de missiles sur Israël. Autre but de l'offensive, la libération du soldat israélien Gilad Shalit, détenu par la branche armée du Hamas. Le mouvement répond en lançant plus de 700 missiles qui atteignent les villes d'Ashdod et de Beersheba en Israël. Les affrontements se poursuivent pendant 23 jours, entraînant la mort de 1430 personnes côté palestinien et 13 côté israélien. L'assassinat du commandant en chef adjoint des brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, le 14 novembre 2012 par l'armée israélienne, relance le conflit. L'opération, qui dure 8 jours, porte le nom de pilier de défense du côté israélien et pierre de schiste du côté palestinien. L'objectif d'Israël, détruire les sites où les factions palestiniennes stockent leurs missiles. Les paramilitaires répliquent en tirant plus de 1500 roquettes avant de parvenir à un cessez-le-feu négocié au Caire. Le 7 juillet 2014, Israël lance l'opération Bordure protectrice, à laquelle le Hamas répond par l'offensive Tempête dévorante. Les affrontements se poursuivent pendant plus de 50 jours, au cours desquels l'armée israélienne effectue plus de 20 000 frappes sur la bande de Gaza, tandis que les brigades d'Al-Qassam tirent plus de 8 000 roquettes. Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'objectif de l'opération est de détruire le réseau de tunnels souterrains construits par le Hamas à Gaza, dont certains atteignent le territoire israélien. Cette guerre fait plus de 2 300 morts palestiniens. 67 soldats et 6 civils israéliens perdent également la vie. Le 10 mai 2021, le Hamas lance un ultimatum à Israël en lui demandant de se retirer de l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa et du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Suite au refus israélien, le Hamas lance l'opération Épée de Jérusalem, à laquelle Israël répond par l'opération Gardien des murs. Plus de 4000 missiles seront tirés vers Israël, tandis que Tsahal bombardera plusieurs tours résidentielles qui auraient été utilisées par le Hamas et annonce la destruction d'environ 100 km de tunnels souterrains à Gaza. Lors d'une nouvelle série d'affrontements dans la bande de Gaza en août 2022, Israël prend pour cible Taysir el-Jarbari, un haut commandant du mouvement du djihad islamique palestinien et de sa branche militaire, les brigades d'Al-Quds, appelant l'opération « Aube naissante ». Le mouvement djihadiste répond en tirant des centaines de missiles sur des villes israéliennes dans le cadre d'une opération baptisée « Unité des places ». Le dernier volet de ce conflit débute à l'aube du samedi 7 octobre 2023. Le Hamas lance une opération terrestre, maritime et aérienne sans précédent contre Israël, appelée « Déluge d'Al-Aqsa ». Lors de cette offensive sur le territoire israélien, des centaines de civils sont tués. Israël répond en déclarant l'état de guerre et en lançant l'opération Épée de fer. Gaza est pilonné et des milliers de personnes sont déplacées au sein du petit territoire. Cette confrontation marque un tournant dans le conflit, comme l'une des plus sanglantes pour les Israéliens et les Palestiniens depuis la fondation de l'État juif il y a 75 ans.